Alors, nous souhaitons imprimer cette feuille Excel qui contient jusqu'à 2000 lignes. Et nous verrons que si nous allons dans imprimer, à la première page, l'entête, date, référence, zone, comme ainsi de suite, ça apparaît. Mais à la seconde page, ça n'apparaît pas ainsi de suite. Les autres pages n'auront pas. Donc, sur Excel, vous pouvez spécifier des lignes et des colonnes dans Excel qui seront imprimées sur chaque page. Cela peut faciliter la lecture de votre copie imprimée. Pour ce faire, vous venez ici dans l'onglet Mise en page. Dans la zone Mise en page, vous choisissez Imprimer les titres. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, ligne à répéter. Vous venez, vous choisissez la ligne à répéter. Pour nous, nous voudrons que ce soit la première ligne qui se répète sur toutes les pages. Donc, nous sélectionnons là. Et là, on valide avec Entrée. C'est tout. On ne change plus rien. On met OK. Là, désormais, quand vous venez dans Imprimer, vous verrez que là, à la première page, on a bien l'entête. À la seconde page également, l'entête apparaît. À la troisième page également, ainsi de suite. Cela marche aussi pour les colonnes. C'est tout. Give by le pouce.